Pasolini, dans un poème que je n'ai pas retrouvé, que je retrouverai, donc je n'ai pas la citation exacte qui malheureusement était très belle, je la retrouverai certainement, je vous la dirai avec retard, mais Pasolini, dans un poème, dit qu'il ne lui reste que cela, une vitalité désespérée, une vitalité désespérée. La vitalité désespérée, c'est la haine de la mort. Qu'est-ce donc qui sépare le retrait loin des arrogances de la mort haïe? Eh bien, je dirais que c'est cette distance difficile, incroyablement forte et presque impensable, que j'appelle le neutre. C'est en définitive une protestation. Cette protestation consiste à dire « Il m'importe peu de savoir si Dieu existe ou non, mais ce que je sais et que je saurai jusqu'au bout, c'est qu'il n'aurait pas dû créer en même temps l'amour et la mort. » Et le neutre, pour moi, c'est ce non irréductible. Dans mon livre « L'air et les songes », j'ai étudié longuement le rêve de vol. C'est un rêve très positif et très simple. Dans nos nuits heureuses, nous avons parfois l'impression que nous pouvons voler. Le plus souvent, le rêve de vol est un vol sans aile, un vol sans mécanisme ailé, un vol qui n'a pas besoin, par conséquent, d'imiter l'oiseau, c'est-à-dire de copier la réalité. Nous sommes devenus si aériens, l'élément de l'air a imprégné si profondément notre être qu'un léger coup de talon contre le sol suffit à nous détacher de la terre. Nous nous mettons alors à planer, le plus souvent proche du sol. Si nous retouchons la terre, un nouveau coup de talon nous fait repartir pour un voyage facile. Au réveil, très curieusement, certains rêveurs s'étonnent de ne plus savoir voler.